Bonjour et bienvenue dans la chambre de Goupil. En ce jour, j'inaugure un nouveau format de vidéo qui sera appelé APS-G et qui parlera de ma plus grande passion, la photographie. Cette première émission sera l'occasion de parler des formats en photographie parce que c'est une chose souvent négligée lorsque l'on débute la photographie par manque de connaissances ou juste par négligence. Nous allons d'abord du coup voir ce qu'est un format en photographie. Pour ce qui est de la photographie numérique, je vais déjà distinguer le format de la définition en nombre de pixels. En effet, le nombre de pixels va déterminer la taille imprimable d'une image, non pas son format. En photographie numérique ou vidéo numérique, le format sera matérialisé par la taille du capteur. Pour l'argentique, ce sera un peu différent, ce sera la surface de pellicule imprimée. En gros, au lieu d'avoir un capteur, on a un trou où la pellicule sera posée derrière pour capter la lumière et ainsi avoir le format de photographie. Pour vous faire une meilleure idée de ce que représente le format en argentique, voici deux appareils photo de formats respectivement différents. Ici, on va avoir un 24-36 qui est le format le plus régulier en argentique et ici un moyen format 6-4-5 homothétique au 24-36. Ainsi, l'image imprimée sur la pellicule sera plus petite sur le 24-36 que sur le 6-4-5. Mais qu'est-ce qu'une taille de capteur différente apporte? En argentique comme en numérique, un format de plus en plus grand pourra vous donner une image de plus en plus précise, quel que soit le nombre de pixels de la photographie en numérique. En effet, en argentique comme en numérique, on a un effet de bruit qui apparaît avec la montée en ISO qui était en argentique comblée par la grande taille de certains appareils photo. Plus l'image est grande, comme si vous dessiniez par exemple un dessin sur un A4 et le même dessin sur un A3, le dessin sur le A3, on pourra voir plus de détails que sur le A4. Mais qu'est-ce qui fait que souvent on est aujourd'hui moins renseigné sur la taille ou le format de la photo que l'on était hier? Eh bien, c'est assez facile. Aujourd'hui, comme un capteur numérique doit être préservé de la poussière, on ne le voit pratiquement jamais. Alors que lorsque l'on faisait de la photographie argentique, on avait accès à plusieurs pellicules, respectivement pour l'appareil que je vous ai montré, le F2, une pellicule de 135, et pour le 6-4-5, une pellicule de 120. Donc on avait affaire visuellement à deux choses qui étaient différentes, et donc ça rendait la lecture des formats bien plus simple. On peut se dire, au-delà des bridge et compact, que si l'on prend pour débuter un réflexe numérique, on est sûr du format et que ce sera un 24-36 comme sur l'appareil que j'ai précédemment montré. Mais ceci est faux. Lorsque les premiers réflexes numériques sont apparus, il était très difficile de produire un capteur 24-36 de prix assez raisonnable. Donc les compagnies se sont alors retournées vers un capteur plus petit, le capteur DX pour Nikon, et qui fait à peu près deux fois moins de surface qu'un 24-36. Ce format s'est tellement imposé qu'au final Nikon ne voyait plus d'avenir dans le 24-36. 24-36 qui sera entretenu par Canon, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir de nouveau des réflexes 24-36 de, on va dire, assez de prix assez bas. Passons sans plus attendre, et oui c'était assez long, à la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la taille des capteurs. Oui, on va parler de numérique là et non pas d'argentique. Si vous voulez le format en argentique, je pourrais faire une autre vidéo pour ça. Mais là, ce ne sera pas le cas. Donc je prends déjà mon anti-sèche parce que ça va être compliqué de me rappeler de tous les formats qui existent. Et donc, à un endroit de l'écran, on pourra voir, pour que vous puissiez avoir une échelle, le format sur une image. Bon, ce ne sera pas la taille exacte, mais vous pourrez voir
la différence dans les formats et les proportions. Voilà. Avant de commencer, je donne une liste ici de formats différents, assez exhaustifs, mais il se peut qu'il manque certains formats. Donc, commençons tout de suite. Le premier format de capteur, c'est le 1 sur 8, qui est très petit et qui doit monter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appareils photo très bas de gamme, genre en dessous de 100 €. Et c'est un format qui fait 1,2 mm sur 1,6 mm. Donc, c'est vraiment très petit. Après, passons au format 2 sur 3 qui fait 6,6 mm sur 8,8. Par exemple, le X20 de ma maman ou le vôtre peut-être a ce format-là. Et c'est un format de ratio 4 tiers et non pas 2 sur 3. Et ça ressemble à ça. Ensuite, on a le format 4 sur 3 ou micro 4 sur 3 d'Olympus et de Panasonic sur les Lumix et OMD. C'est un format 4 tiers me semble-t-il comme pour le X20. Donc après on a le format APS-C de chez Canon qui est un peu différent du Nikon parce qu'il est un peu plus petit. Donc là on est sur 4,8 x 22 mm. Donc ça équipe du 1300D au 7D Mark II. Après, on va avoir le format APS-C DX chez Nikon qui fait 15,8 sur 23,7 mm. Alors, petit aparté, donc le format respectivement Canon et Nikon est une référence. Et donc, lorsque vous avez votre réflexe, souvent, là, par exemple, sur le Nikon, j'utilise un 35 mm et on aura un facteur d'agrandissement de 1,5 pour Nikon et de 1,6 pour Canon. Donc, le 35 mm sur Nikon devient un 52,5 et me donne un objectif standard. Donc, ensuite, on a un format qui est exclusif à Canon, qui est le APS-H, si je peux le retrouver ici, pardon. Non. Donc le APS-H est entre le format 24-36 et le format APS-C. On a un facteur d'agrandissement de 1,3. Donc après, on a le format full frame ou FX chez Nikon, chez Canon. C'est 24-36. Et donc, ce sont plutôt les réflexes haut de gamme, donc chers, qui vont avoir ça. Et donc, les objectifs que vous poserez dessus auront la focale qui leur est dédiée. Après, si on rentre dans d'autres choses, on va pouvoir avoir les moyens formats. Mais je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Genre, les capteurs, par exemple, sur les Mamiya 6-4-5, donc en argentique 6 par 15 cm, le capteur numérique attaché à ces appareils photo sont souvent plus petits que le format argentique dédié. Donc le dos aura à peu près le format un peu plus grand que deux fois un full frame. Voilà. Après, il y a des capteurs pour d'autres applications, mais là ça dépasse mes compétences et ça n'est pas très important pour cette première émission. Donc ainsi, lorsque vous achetez un appareil photo, ce qui va être important, c'est pour vos besoins et la taille que vous utiliserez. Par exemple, si j'utilise un X20 ou le 6D, ça ne me donnera pas vraiment les mêmes images. Bon, c'est un capteur 12 mégapixels et un capteur 20 mégapixels, mais quand on agrandira, le 6D sera forcément plus qualitatif que le X20. Et oui, le capteur étant plus petit, même si il était aussi défini, les détails ne ressortiraient pas de la même façon. C'est pour ça que souvent, lorsque l'on veut faire de la photo précise, on utilise soit des moyens formats, des 24-36
avec beaucoup de pixels, ou si on est très bon et on a de l'argent, un argentique, une chambre argentique qui va faire des formats très très grands. La grande différence des différents formats est que lorsque, par exemple, si j'ai un capteur 6,6 par 8,6 qui a le même nombre de pixels, ce qui n'est pas le cas ici, du 6D, c'est-à-dire 20 mégapixels, la qualité d'image en augmentant les sensibilités sera meilleure sur le 6D, puisqu'un capteur utilise des micro-lentilles pour absorber la lumière dans le capteur. Et plus les photosites ou pixels sont séparés, plus la lumière rentre et moins vous aurez de bruit. Cette vidéo est maintenant finie. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez disliker. Mais mettez dans les commentaires ce qui ne vous a pas plu ou ce que vous auriez aimé qu'il soit mieux expliqué. Après, si vous voulez juste commenter par plaisir, faites-le. Et n'hésitez surtout pas à mettre ce que vous aimeriez voir ou ce que vous n'avez pas compris. Voilà. Je suis là pour partager mon savoir et votre participation est fortement recommandée. Oui, je parle à toi, toi, ou même toi là-bas. Je vais donc vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine. Salut !